Ville. Récits de vie ou récits de ville. Collectés par l'ALCA. Laboratoire d'architectes lutteurs et de chercheurs artistes. Les récits de vie sont une tentative de troquer les lignes trop droites de la ville contre un regard, un vécu, une histoire. De comprendre la nature profonde des lieux. D'entendre les voix bien souvent empêchées, délaissées pour compte de l'histoire se faisant. De révéler le réel et de faire advenir les hospitalités urbaines. L'ALCA, en quête de ses hospitalités urbaines, a posé ses micros dans les... Le massif de campement sonore s'est remodelé pour s'adapter au mieux au contexte sanitaire. Désormais, nous enregistrons directement dans les bains-douches ou en dehors. Aujourd'hui, nous vous proposons d'écouter Kevin. Celui-ci, lorsqu'il se rasait, nous observait enregistrer un autre usager dans l'espace commun des lavabos. Un peu plus tard, il nous a retrouvés sur le seuil du bâtiment, à proximité de la nouvelle laverie, et a souhaité nous raconter sa vie. Ça fait 10 mois que je suis sans abri, donc à Lyon. C'est suite à une séparation, j'ai laissé l'appartement à mon ex. Donc j'utilise les bains de douche ici, de Jarlan, et j'utilise aussi les douches de la maison de Rodolphe, à Lyon 8e. J'ai 32 ans, et je m'appelle Kevin Am Infinity. Mais c'est mon nom que je me suis inventé. Moi, à la base, je suis pas de Lyon. Ça fait 3 ans, un peu plus de 3 ans que je suis à Lyon. Et je découvre Lyon, surtout dernièrement, parce que depuis que je suis sans abri, ça m'amène à me déplacer un peu plus. Parce qu'avant, j'étais en appartement avec mon ex et j'allais au travail et je revenais. Ça allait pas plus loin que ça. Parce que je découvre que la ville, elle est très grande, en fait. Il est, pour moi, indispensable. Ouais, il faut absolument un abri. Et donc, du coup, c'est toujours des abris que je cherche et j'en connais plusieurs. Et voilà. C'est ma tente, mais c'est une demi-tente pour rester semi-extérieur, semi-intérieur. Donc voilà, c'est une demi-tente que j'ai accrochée à mon chariot. Et donc du coup, voilà, c'est un chariot-tente. Dedans, il y a tous mes sacs, mes couchages et voilà, mes principales affaires. Au fond du chariot, il y a les couchages. Il y a le premier couchage qui forme mon matelas, le deuxième pour me couvrir. Il y a mon oreiller, ensuite il y a mes sacs de vêtements. Il y a un endroit sur le devant du chariot où j'accroche mon sac de linge sale. Et sinon, j'ai sur les poignets de mon chariot, j'ai mon sac à dos avec mes affaires d'hygiène. Et j'ai aussi un autre sac d'alimentation, donc pour la nourriture et les boissons. Voilà, j'ai encore un autre petit sac avec quelques affaires personnelles. Si je viens, j'ai prévu de faire mes machines à laver, je dors dans le quartier de Lancette, vraiment pas très loin. Et si je suis à la maison de Rodolphe, c'est Lyon 8. Pour moi, je suis passionné d'hygiène. Je suis passionné de l'hygiène et de la salle de bain. Quand j'étais plus jeune, je me disais qu'il fallait le faire le plus vite possible pour gagner du temps et pouvoir être le plus rapide au travail ou le plus rapide à mon rendez-vous romantique. Mais aujourd'hui, je me dis qu'il me faut plus de temps. Donc, je prends vraiment le temps et je calcule pas. Et même si je suis en retard ou quelque chose, vraiment, je prends le temps pour bien faire, bien me laver parce que c'est devenu une priorité pour moi, vraiment, dans la vie. Parce qu'après une nuit à dormir comme ça dans ses draps, il faut faire vraiment une toilette complète quoi. Et j'ai choisi la douche du fond à droite parce que j'ai qu'un seul côté où il y a de l'eau des voisins qui peuvent arriver. Donc déjà j'ai un mur qui me protège et de l'autre côté il y a de l'eau du voisin qui arrive sur moi et ça. Voilà, pour éviter ça j'ai pris celle du fond. Voilà. Je prépare à l'avance ce que j'ai besoin comme affaires de rechange et je rentre avec mon sac d'affaires de rechange et mon sac à dos. Pour se laver, les gels douche, shampoing. Et après j'ai mes crèmes, mes eaux toilettes, mes rasoirs, ma tondeuse, mon miroir, les coupe-ongles, la pince à épiler. Il y a des mouchoirs aussi, il y a des affaires de rechange, il y a de la brosse à dents dentifrice avec des rechanges dentifrice et... Et autres rasoirs aussi, j'ai quelques rechanges. Le plus souvent que je rase, c'est la barbe et les cheveux. Et après, il y a certaines poils du corps que je fais moins souvent. Voilà. Mais je me rase pas tous les jours parce que j'aime bien laisser renouveler le poil déjà de ma barbe.
Et après, c'est un peu agressif de raser tous les jours, la lame contre la peau aussi. Et j'utilise leurs serviettes parce que j'aime bien utiliser leurs serviettes, je sais qu'ils les lavent souvent. Il y a deux porte-manteaux, mais ils sont trop resserrés et il en faudrait peut-être un autre ou un quatrième encore. Pour pouvoir tout accrocher ses affaires, ouais, pouvoir faire l'échange et accrocher ses sacs, ses vestes. Surtout en hiver, il y a plus d'affaires. Les lieux communs, c'est quand même bien et heureusement qu'ils sont là pour les personnes comme moi en précarité et aussi qu'il y a du personnel pour nous accueillir, ça c'est vraiment bien, pour nous rendre service, nous préparer nos serviettes et nos gels douches, nettoyer les lieux que nous on a utilisés. Vraiment ça c'est magnifique. Après ouais, c'est une régénération, c'est tout de suite l'eau déjà, il y a dedans l'eau, qu'est-ce qu'il y a dans l'eau déjà? Moi, je sais qu'il y a du calcium dans l'eau déjà et il y a beaucoup d'énergie à l'intérieur. Si on la boit déjà, c'est bien. Si on se lave, on se débarrasse de toutes les impuretés. Et c'est pour ça que si on le fait en 15 minutes, ça n'enlèvera pas autant que si on le fait en une heure. Et c'est le bien-être, c'est ce qui me permet de me lever tous les matins. C'est ce qui me permet d'être de bonne humeur et de bien parler avec les gens. Et voilà, d'être en bonne santé et de ne pas être un parasite pour la société. Récits de vie ou récits de ville. Collectés par l'ALCA, laboratoire d'architectes lutteurs et de chercheurs artistes, dans le cadre de son projet Hospitalité.